Salut les amis, alors bienvenue pour la suite de ce let's play sur EVE Online. On était donc de retour à notre station pour voir quelle mission Sister Alitour allait nous donner. Donc on va regarder ça tout de suite. Et ça s'appelle Poursuite ou balayage. Pendant que vous récupériez les données, j'ai identifié deux pistes. La première concerne un reporter Galante qui prétend avoir suivi le drone après que vous ayez approché la station Foudrelief. L'autre concerne un mercenaire espion Kaldari qui dit détenir une formule pouvant vous aider à scanner le drone. Chacune de ces deux pistes nécessite d'être poursuivie immédiatement et nous devons en choisir une maintenant. Je vous laisse décider laquelle des deux pistes voulez-vous suivre. Alors, on a la piste 1 qui s'appelle « Chasse à la reine », partie 1. Un journaliste du SCOP du nom de Corinne Russia a réussi à obtenir des données de poursuite d'un drone il y a 2 jours. Les holos en votre possession lui ont permis de confirmer qu'il s'agit du même drone. Il est prêt à vendre ses données si on l'exfiltre d'un avant-poste de la Mordue Légion. La Mordue Légion est généralement un groupe honnête, mais pour une certaine raison, Rizia veut qu'on le sorte de là rapidement. Il pense que la Légion veut le tuer. Rendez-vous à l'avant-poste de la Mordus Légion et exfiltrez Corinne Rizia. Il craint pour sa vie. Soyez donc prêt à parer à toute éventualité. Ah, c'est pas cool ça. Et donc l'autre voie que l'on peut choisir, c'est poche de sang. Avant que le mercenaire puisse nous aider, nous devons d'abord le sortir du pétrin. Ce type s'appelle Wolf Burkan. Ouais, c'est nul, mais je vais lui faire une fleur parce que c'est un sacré pisteur. Wolf a parcouru l'univers en long, en large et en travers. Et il a pisté à peu près tout ce qu'il existe. On ne devient pas aussi bon sans se faire quelques ennemis. En ce moment, les Serpentis veulent absolument le voir mort. Wolf est peut-être un grand capitaine, mais ce n'est pas un capsulier. S'il claque, il n'y aura pas de résurrection. Les Serpentis le savent. Nous allons utiliser ceci à notre avantage suite à une précédente condamnation. Les autorités locales d'une station près d'ici possèdent un échantillon de l'ADN de Wolf. En tant que capsulier, vous ne devriez pas avoir de difficulté à y accéder. Apportez-moi l'ADN de Wolf et je pourrai mettre mon plan diabolique à exécution. Alors, lequel des deux, le journaliste ou le mercenaire? Le mercenaire. En espérant qu'il y ait plus d'action. Ça m'avait l'air plus attrayant et plus dangereux comme mission, en fait. Propulseur de warp activé. Thank you.
Bon, bah apparemment c'est pas sur cette mission-là qu'on aura de quoi faire. Demande d'amarrage envoyée. Demande d'amarrage acceptée. Donc on récupère ce pourquoi on est venu. Voilà. Ça, c'est fait. Et on redécolle. J'espère que la mission suivante sera un peu plus tumultueuse, sinon je vais regretter d'avoir choisi cette voie-là. Demande d'amarrage envoyée. Demande d'amarrage acceptée. Et ben une mission plutôt facile. On va espérer que la suivante soit un peu plus corsée. Placez le corps. Laissez-moi envoyer ça rapidement au labo. Voilà, le corps devrait être ici dans une minute. Oui, le corps est terminé. J'ai demandé au technicien du laboratoire de clonage de répliquer l'ADN de Wolf Bergan sur une de leurs dalles de biomasse vierge. Si on effectuait une analyse de tissu, on obtiendrait une concordance parfaite avec l'ADN de Wolf Bergan. Bien sûr, la dalle de biomasse est parfaitement inerte et n'a qu'une vague apparence humaine. Mais ce ne sera pas un problème puisqu'on va la faire exploser. Ah ouais, t'es comme ça toi. Il y a un petit avant-poste à Harmon et les serpentistes sont convaincus que Wolf s'y planque. Prenez le corps et emmenez-le jusqu'à l'avant-poste. Vous pouvez tuer les serpentistes si ça vous chante. Et comment? Depuis le temps que je joue un petit peu d'action. Mais placez le faux corps dans l'avant-poste et fichez le camp. Cela activera les charges explosives à retardement que Burgan a placées. Pour les témoins, cela devrait donner l'impression que vous avez débarqué et éliminé Burgan vous-même. Ensuite, les restes calcinés de son corps avec son ADN devraient faire le reste. Ah, t'es pas bête, toi. Toujours dit se méfier d'une femme qui a quelque chose en tête.
Pas du coup. Objet accordé. Doublure de Wolf. Ouais, donc je vais vérifier qu'elle est bien dans ma soute. Hop. Tac, tac, tac. Inventaire. Doublure de Wolf. Hop, je vais la mettre dans ma soute. Voilà. Et on y va. Bien sûr, on va repérer vers l'emplacement. Il y a des amis. Il y a des amis. On va pouvoir s'amuser un peu. Il y en a beaucoup même. Alors, voyons voir. On va commencer par toi. Un petit peu d'action, enfin. Et en plus, il y a quelque chose dans sa soute, donc on ira voir après. Suivant, bien sûr. Sens là par contre. Et les boucliers, on tient le coup. On voulait de l'action, on en a. Donc on tient le coup.
un dernier là. Charger au cas où. Ça, c'est fait. Maintenant, on va aller récupérer ce qu'il y a dans les épaves où il y a quelque chose. Ah ben, ça fait plaisir un peu d'action. C'était tendu, mais ça fait plaisir. Prendre, entrer à la station. À celle-ci. Hop, prends. Décharge et du blindage. Le dernier. Des fragments de métal. Donc maintenant, on se rend à la planque de vol. Déposer ce qui est censé être son corps, mais qui n'est qu'un leurre explosif. Histoire de partir sur un petit feu d'artifice sympa. Alors, hop, doublure de vol dans la planque. Voilà. Et moi, je vais m'éloigner. Ah, oui, je me barre, d'accord. Ah, effectivement, ça pète bien. Bon, bah, il y a des amis qui sont retenus. On va s'en occuper. Suivant. J'ai bien fait de recharger. Ah, t'es le chef, d'accord. T'es censé être plus dur à tuer que les autres, alors c'était le chef. Allez, tu pourras me dire comment on devient chef au passage, chef. T'as des trucs intéressants dans ton vaisseau, pas. Bon, si je meurs pas avant, parce que j'avoue que vous me faites un peu mal quand même. Non. Ça,
ça devrait le faire. Ah non, t'as pas le droit de reprendre de la vie, hein, mais... Les drones réparateurs, c'est pour moi, c'est pas pour toi. Allez, laisse-toi faire, t'es mort de toute façon. Voilà. Boum. Ouais, je voulais voir l'explosion, je sais. Oh, ça devrait être plus rapide, c'est juste des agents. T'approches là que je te touche ou ça se passe comment? Toi, si tu t'approches comme ça. Ok. On va aller voir ce qu'il y a dans le conteneur de fret, il est juste à côté. Quatre scientifiques? Ah oui, quand même. Et la doublure de Wolf. Hop, amarré pour terminer la mission. Demande d'amarrage envoyée. Demande d'amarrage acceptée.
Je suis étonné que ça ait vraiment marché. Burgen dit que les serpentistes ont marché. Il est prêt à nous aider. Heureusement que ça a marché. Je leur ai un peu tiré dessus quand même, quoi. Ça ajoutait un petit peu de réalisme à la situation, tu vois. Je me défends, ils m'attaquent, je leur laisse un truc piégé qui explose. Ils meurent dans l'explosion, voilà, quoi. Alors, poursuite de Nightmare. Nous avons obtenu l'aide de Wolf Burgan. Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de vous rendre dans certains des endroits où le drone a été repéré. Burgan restera en retrait, mais il sera connecté à votre système à distance. Wolf vous informera si la situation évolue. Écoutez bien ce qu'il vous dit, il vous guidera dans la bonne direction. Bah, c'est parti. C'est parti. Mets-moi encore autant d'actions qu'on vient d'avoir et c'est bon. Je fais toutes les missions que tu veux, là. Il n'y a pas de souci. Burgan, bon, je crois qu'on a raté la fête. Il s'est passé quelque chose ici, mais les traces sont faibles. Utilisez le portail d'accélération. Ok. Mon petit drone de réparation fait bien son taf là, il a bien réparé le vaisseau. On avait pris vachement cher sur le combat juste avant. Propulseur de warp activé. Encore un cimetière, je ne vois rien. Attendez, je reçois quelque chose. Ah. Ah ah. Portail d'accélération. Pulseur de warp activé. Drone mystérieux. Là, il est passé où lui?
Propulseur de warp activé. On va continuer à suivre les failles spatiales. Je ne sais pas où ça va nous mener, mais ça a l'air de suivre le drone. Propulseur de warp activé. J'ai perdu le signal. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça a foutu le camp. C'est pas grave. J'ai assez de données pour le tracer. Grâce à ça, on devrait pouvoir retrouver sa position exacte. Revenez. Propulseur de warp activé. J'adore cette station. Elle est vraiment super jolie. Demande d'amarrage acceptée. Mettre le feu à la ruche. Vous l'avez suivi à travers une sorte de faille spatiale. Ouais, c'est ça, tout à fait. C'était des failles. Ils ne sont pas censés être capables. Ah bah ouais, mais là, il en était bien capable, je te l'assure. Les drones, je veux dire. Bien, maintenant, votre prochaine mission. Bah, la prochaine mission, ce sera au prochain épisode. Donc, sur ce, ma petite sister, je te dis à bientôt. Sur ce, les amis, je vous dis à bientôt, en vous souhaitant une bonne journée ou une bonne soirée, suivant quand est-ce que vous aurez regardé la vidéo, en espérant que celle-ci vous aura plu. La suite dans le prochain épisode, bien sûr. Vous avez aussi les épisodes précédents dans la playlist dédiée à EVE Online. Donc si vous aimez ce jeu, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Allez, salut, bye bye.